n'allume rien. Tu ne bouscules pas les meubles. Tu te glisses doucement, tu te déshabilles doucement. Tu te glisses dans le lit et tu bouffes le cul de ta femme. Tu n'auras aucun reproche. Tu pourras même aller dans le frigo te prendre une bière. Elle te foutra l'appel, le mec, il dit « Ouais, c'est génial, ça s'arrose, il reboive des coups. » Putain, il arrive chez lui à 3h du mat, il fait oh, « il respire un grand coup, il a 4 grammes, tu fais qu'est-ce qui est venu ?» Ouais, respirer, bien choisir la clé, bien choisir la clé, il rentre doucement, ne rien allumer, ne repérer les meubles, ne pas tituber, rentrer dans la chambre doucement, se déshabiller, se glisser dans le lit, et là, il bouffe le cul de sa femme qui dort profondément. Au bout d'une demi-heure, rien, et 3/4 d'heure, il commence à avoir mal aux mâchoires et tout. Au bout d'une heure, il entend un petit couinement, il dit « Ouais, c'est bon, ça commence à chauffer, une heure et demie et tout. » Au bout de 2 heures, il a une explosion sous la couette. Enfin, le mec, il est tout ankylosé. Et là, il prend la couette et il va dans la cuisine boire sa bière qu'il a bien méritée. Et là, il va dans la cuisine, il allume et il voit sa femme qui boit un café dans la cuisine. Il dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?»« Chut, parle moins fort, il y a maman qui dort dans la chambre. »